vrai phénomène, l'agression perpétrée par un néo-nazi contre un punk le week-end dernier à la fête de la musique serait la marque d'une recrudescence des groupes racistes à Genève. C'est ce qu'affirme la victime, mais c'est aussi l'analyse d'experts des mouvements extrémistes. C'est ici, dans le parc des Bastions, il y a 6 jours, lors de la fête de la musique, que le chanteur d'un groupe de punk genevois a reçu plusieurs coups de couteau. Luc, nous l'appellerons ainsi, a été pris dans une bagarre. Il y a Luc. Des amis qui sont venus me dire qu'il y avait des néo-nazis qui étaient au-dessus, quoi. Donc on est allé voir. Et puis bon, ça a tourné en bagarre générale. Je me suis pris un coup de couteau à la cuisse, deux à la main. Puis là, du coup, j'ai regardé mon ventre au cas où. Et puis, il était percé, quoi. Ça arrivait jamais. Et ça commence à arriver. Pour ceux qui sont prêts à tout et qui sont tout le temps armés. Donc, il y a une montée super inquiétante qu'il faut éradiquer immédiatement. You must die. Cette chanson, ça veut dire que c'est...